Good morgen, allez, Iden et Sistro, aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai ben Yitzhak Vefani, Dvora bat Esther et René Avraham ben Mordechai. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions au Sechet Yvamot, Perek Yudalet Mishnah Aleph, Cheresh Shenasa Pikachat, Pikach Shenasa Chereshet, Imratza Yotzi, Ve Imratza Yekayem. Keshem Shokones Birmiza, Kach Ukon Motzi Birmiza. Fin du premier sujet, d'ailleurs je m'arrête là dehors pour l'expliquer, après on verra la suite. Cheresh Shenasa Pikachat, on parle d'avoir un sourd qui a marié une femme normale, Pikachat, intelligente, ouverte. Pikach, c'est quelqu'un qui est clairvoyant, par définition. On peut parler d'un aveugle qui est devenu Pikach, clairvoyant, et pour commencer, on peut aussi parler de quelqu'un de pas net qui est devenu intelligent. Ou quelqu'un qui est tout simplement clairvoyant de nature, donc il a un Pikach. Donc, un sourd qui a marié une pikachat, une femme normale. Pikach, ou encore un pikach, un normal qui a marié une femme qui était sourde. Imratza, yotzi, imratza, yekayem. S'il veut, il peut la divorcer, s'il veut, il peut la marier. On explique de quoi on parle en fait. De manière générale, dans un cheresh, dans la Torah, c'est quelqu'un qui ne communique pas avec l'extérieur parce qu'il est sourd, comme dans notre vie moderne, mais on le considère comme quelqu'un de. C'est-à-dire, grâce au chaleur, pas fou, mais qui n'a pas parfaite conscience de ses actes. Et dans ce cas-là, il a le même statut que l'enfant, il a le même statut que le fou, il n'a pas de jugeote pour pouvoir faire des acquisitions, ni vendre, ni acheter, et donc forcément, ni se marier. Il ne peut pas se marier, mais divorcer, c'est un peu différent. D'ailleurs, je le dis tout de suite pourquoi. De manière générale, marier, c'est un acte d'acquisition du côté homme comme du côté femme. La femme, elle décide de se marier aussi. Pour pouvoir se marier, donc il faut être normal. Et si je suis pas, si elle n'est pas normale, autant qu'elle ne peut pas vendre son champ parce qu'on peut facilement l'embobiner dans des histoires, et bien la même chose aussi avec son mariage, elle n'a pas cette conscience, donc elle ne peut pas se faire la Minatora. Cependant, si elle était mariée Minatora, par exemple, un père qui a marié sa fille qui était sourde, donc elle avait un bon de conscience, le père il l'a mariée tant qu'elle était enfant, il avait le droit dessus, il pouvait la marier, elle s'est mariée Minatora. Le mari, il a la possibilité de la divorcer. Minatora. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, pour divorcer une femme, on n'a pas besoin de son avis de la femme. On lui donne le guet même malgré elle, et elle est divorcée de la sorte. De ce fait, on peut aussi marier une folle. On peut aussi divorcer une femme qui est devenue folle, en théorie. On peut divorcer une femme qui est devenue sourde, même si elle n'a plus pas assez conscience. Il faut juste un brin de conscience. C'est qu'elle est quand même, qu'elle réalise que maintenant son mari est fâché avec elle et qu'elle ne va plus rentrer chez lui ou qu'elle va. Et que quand on lui donne un guet, elle a conscience que c'est un guet. Mais pas qu'elle va faire un avion avec lui et ne pas comprendre que c'est qu'elle est divorcée. D'accord? Yodat Lishmorot Gita, comme c'est dit dans la Gemara. Je reviens maintenant sur notre Mishnah. Avec le Chachamim, on fait un décret. Que quand même, les pauvres, les sourds, ils n'ont aucune raison de souffrir toute la vie en restant tout seuls. On va leur permettre de se marier. Ouais? On va leur permettre de se marier. Que comme ça, ils pourront aussi entretenir quand même une vie, tant mal, il n'y a pas besoin de les pénaliser tellement méchamment. À la différence du fou, maintenant je ne sais pas quel degré de fou la Gemara en parle, BMET, mais je ne sais pas s'il y a des différents niveaux, il y a quelques petits détails qui m'échappent, mais de manière générale, les fous, on ne leur permet pas, ramènent pas instauré qu'on peut les marier. Je ne sais pas s'il y a un interdit à ce qu'ils vont faire semblant de vivre mariés, ça j'en sais rien. En tout cas, Khamim n'ont pas instauré les kilushin des rabbanan, ça veut dire que s'ils divorcent, ils ne devront pas donner de ktouba et tout ça, à la différence de la sourde. Khamim ont tout instauré. Maintenant, et pourquoi? Parce que le sourd, lui, le fou, lui, quand il pique des crises, il peut tuer, il peut faire énormément de mal. On veut faire voler les assiettes dans la maison, donc Khamim ont dit, on n'instaure pas des kilushin pour les fous. Pour les sourds, ils sont beaucoup plus posés, ils manquent juste de développement. Normal de communication comme il faut, les pauvres, mais il n'y a pas de raison de. On peut leur instaurer des kiddushin ou des rabbanan. Sur ça, maintenant, la Mishnah me dit sache que maintenant, dans les deux sens, un homme, il peut marier une femme sourde, une sourde, un sourd peut marier une femme normale, et s'ils se marient, leur kiddushin, c'est des kiddushin ou des rabbanan, et ils pourront même divorcer, mais des rabbanan. Parce que même si en temps normal, un sourd, par exemple, ne peut pas écrire un guet, mais un sourd, là, tu as dit qu'il peut quand même marier. Alors, s'il peut marier, ce qu'il est capable de faire positivement, il est capable de l'annuler en faisant donner un guet. C'est le principe de la Mishnah. Donc, la Mishnah me dit,
un sourd qui a marié une femme intelligente, une femme intelligente, un homme intelligent qui s'est marié avec une femme sourde, Imratza Yotzi, s'il veut, il peut la divorcer. Imratza Yotzi, même s'il veut, il peut aussi la maintenir, parce que le mariage qu'ils ont fait, c'est un mariage, c'est un bon mariage, Midera Banan. D'accord? Ouais, comme il dit le Tiferet Israël, c'est lui qui rapporte ici. Ramim, on exprime ici qu'il y a une takana qu'elle est mariée, mais divorcée au prime. Keshem Shu Kones Birmiza, et c'est l'explication de la Mishnah, Keshem Shu Kones Birmiza, Kachumotsi Birmiza. Autant qu'il est capable de faire entrer la femme avec des signes, même s'il ne pouvait pas parler, il était capable de lui dire on se marie, et ben il peut aussi lui donner un guet en lui disant salut. D'accord? Il peut aussi parler avec des Birmiza aussi, ça marche Midera Banan. Alors que si elle était mariée Minatora, après il ne pourra plus la divorcer. Midera Banan est comme ça, on va voir tout de suite, regardez. Deuxième sujet de la Mishnah, maintenant on ne parle plus d'un normal qui se marie avec un sourd ou d'un sourd avec une normale, mais ils commencent leur vie normalement. Pikach, Shenasa Pikach. Un homme clairvoyant qui se marie avec une femme clairvoyante, mais qu'après on a eu des problèmes. Venitravcha, et après elle est devenue sourde. Alors dans cette configuration, là, c'est comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, Imratza Yotzi, Imratza Yekam, s'il veut, il peut divorcer sans problème parce que. Même si elle est devenue sourde et qu'elle a perdu un petit peu la tête, ouais, le fait de ne plus communiquer avec l'extérieur, ça fait que maintenant elle est un peu. Elle vit plus assez profondément ce qui se passe, quoi. Plus assez consciemment ce qui se passe. Malgré tout, Imratza Yotzi, Imratza Yekem, s'il veut, il peut quand même lui donner un guet, comme ce qu'on a expliqué, que c'est plus facile de divorcer que de marier. Par contre, Nishta tête, si elle est devenue folle, elle a perdu la tête, le Yotzi ne pourra pas la divorcer. Et alors là, précision. On ne parle pas forcément d'une femme qui a perdu la tête au point où elle ne va plus comprendre qu'elle est divorcée. Parce que ça, même Minatora, elle n'est plus divorcée. Mais là, on parle d'autre chose. En fait, on parle d'une femme qui a perdu un petit peu la boule. C'est vrai. Mais si on la divorce, elle a conscience qu'on la divorce. En théorie, Minatora, on pouvait la divorcer. Ramène enfin un décret, tu ne la divorces pas. Hein. Il reste marié avec sa femme folle. Pourquoi? Parce que vous imaginez que Chas v'Shalom, avoir une femme qui a perdu un peu la boule dans le quartier. Ça veut faire que tous les petits voyous ils vont tourner autour d'elle et ils vont abuser d'elle. Pour ne pas qu'on ait une femme comme ça dans le truc, Rami on dit, écoute, malheureusement, il n'a pas eu de chance, sa femme elle a perdu la tête, il devra rester avec elle, il devra la garder à la maison, d'accord? Ensuite, Nitraresh Hu O Nishtata, maintenant nouvelle situation, c'est plus elle qui a perdu la raison, c'est lui, il a perdu la tête. C'est lui qui est devenu sourd ou c'est lui qui est devenu. Et non, Motsio Lamit, il est bloqué, il ne peut plus la divorcer éternellement. Parce que cette fois-ci, pour pouvoir divorcer une femme, il faut écrire un vrai acte d'acquisition de lui dire je te renvoie. Et il n'a plus la jugeote pour le faire. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Sur ça, il rétorque Rabbi Yochanan ben Nouri. Il nous dit mais je ne comprends pas. Mipne ma isha shenitrar sha yotza'a, ve aish shenitrarash eno motsi. Pourquoi la femme qui est devenue sourde, elle, tu lui permets de sortir? Et. Lorsque l'homme, il est devenu sourd, tu ne lui permets pas de libérer. Il ne peut pas la libérer. Mais quelle différence, en fait, il a envie de nous dire, si jamais le manque de jugeote fait qu'on ne peut plus divorcer pour la femme, eh ben, ça ne devrait pas marcher pour le mari non plus. Pour le mari, ça ne devrait pas marcher pour la femme non plus. Amroulo, sur 16, ont rétorqué, Ramim, ils ont répondu, non. Enodome ha'ish megaresh le isha hamit gareshet. Il ne faut pas comparer. Donc, il ne faut pas comparer le mari qui divorce, sa femme qui la renvoie, la isha amid gareshet, d'une femme qui se fait divorcer. Pourquoi? Car une femme, elle se fait libérer de son mari, de gré ou sans gré, ou malgré elle. D'accord? On lui demande pas son avis. Un homme qui en a marre de sa femme, il lui donne un guet, même si la femme elle dit « je ne veux pas le recevoir », il lui met sur sa tête, et il part, et elle est divorcée ainsi. Tandis que « Vaish enomotsi » elle a l'air de donner qu'un homme, il ne peut divorcer sa femme que s'il le veut la divorcer. Mais s'il tient un guet qu'il n'a pas envie de le donner et que la femme elle peut lui arracher par exemple, elle n'est pas divorcée. Il imagine que c'est le mari qui crée un guet et qui aille lui donner. Et Nathan Beyada, et pas que... Et il est obligé d'être conscient et actif. Puisque il est obligé d'être conscient et actif, s'il a perdu la tête, même partiellement, il ne pourra plus divorcer sa femme, d'accord?
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.